السادة أعضاء أكاديمية أفاضل، أصحاب السعادة السفراء، حضرات السيدات والسادة، يسرني أن أجدد اللقاء بكم في رحاب أكاديمية المملكة المغربية في حفل الموسيقى الكلاسيكية العالمية لمؤلفين العرب أرابيسك في نسخته الثانية. وأود في البداية أن أشكر الموسيقي الفنان مروان بن عبد الله على حرصه مواصلة هذا الورش الفني لأكاديمية المملكة المغربية، كما أشكر الثلاثي المرافق له وعلى رأسهم الفنانة فادية طمب الحاج والعازفين جهاد الشمالي وبيير ريغوبولوس على تجشمهم عناء السفر لإحياء هذا الحفل الموسيقي. تدور أنغام هذه الأمسية حول أحد كبار المؤلفين العرب زاد ملتقى، الذي عكست تآليفه الموسيقية الكتابة العارفة الغربية وروح الموازين والتقاليد الشفوية الشرقية. ومن ثم تلاحظون أن الآلات الحاضرة ثلاث منها شرقية، بينما تأتي آلات البيانو الغربية لتضفي مسحة فنية خاصة على نغمات هذه الأمسية. Mesdames, Messieurs, le projet Arabesque, initié par Marwan Ben Abdallah, notre talentueux pianiste, nous réunit ce soir pour sa deuxième manifestation. L'Académie du Royaume du Maroc s'est engagée à encourager et à accompagner ce projet musical pour son originalité et la portée qui est la sienne, celle d'identifier les compositeurs arabes de musique classique. C'est une entreprise audacieuse, parce que l'objectif de ces compositeurs est aussi audacieux, celui de tenter dans leurs œuvres une synthèse entre l'écriture musicale occidentale et l'écriture musicale arabe. Pour certains, ce dessin peut paraître impossible, voire irréalisable. Et pourtant, le compositeur qui nous réunit ce soir, Zaid Multaqa, semble y réussir, puisque l'architecture savante occidentale épouse avec bonheur la non moins savante écriture des Mouachahat. Si l'Académie du Royaume a de plus applaudi à cette initiative, c'est parce que les œuvres de beaucoup de ces compositeurs sont inconnues, sont peu publiées, sont peu jouées, sont peu enregistrées, peu publiées, et qu'elle ambitionne l'Académie, si elle arrive à relever ce défi, de leur faire acquérir l'audience internationale légitime qui leur est due. Ce soir, l'Académie du Royaume a l'honneur de vous présenter un ensemble séduisant, composé et réuni par Marwan Ben Abdallah. Je voudrais, pour terminer, profiter de cette opportunité pour annoncer que l'Académie du Royaume, dans son projet de fonder un institut académique des beaux-arts, compte encourager la création de Dar al-Oud, qui aboutirait à la formation d'un orchestre d'artistes de oud, à l'instar de celui créé par Nasser Shemma, autour de Nasser Houari, qui en serait l'animateur. Je vous souhaite
une soirée de découverte et, je l'espère, d'enchantement. Merci. Thank you.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.